vérité. Téléspectateurs et auditeurs de la télévision et radiodiffusion nationale tchadienne, vous l'avez suivi, l'hymne national qui vient d'être exécuté eh bien, a marqué la fin de la cérémonie officielle d'ouverture du deuxième forum national inclusif qui se tient ici au palais du 15 janvier. Siège de la démocratie à ne pas confondre avec le palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, siège de la démocratie, disais-je, parce que vous l'avez suivi, la présidente du comité d'organisation du deuxième forum national inclusif, Madame Lucie Beyassimda, l'a si bien dit. Elle a dit justement que c'est dans ces lieux que les vrais jalons de la démocratie ont été lancés en 1993, allusion faite ainsi à la conférence nationale souveraine qui a permis aux Tchadiens de tous les bords de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent. Et justement, donc, c'est la démocratie tchadienne est partie réellement à partir de cette date-là. Et juste après, il y a de cela deux ans, justement, le premier forum. Tchad, distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux au niveau du comité d'organisation pour votre présence à ce deuxième forum national inclusif. Pour les membres du Présidium, nous avons la présidente, Madame Mariam Mamatnour, premier vice-président, Taïmi Fatake Albert, deuxième vice-président, Mamat Alaou Taïr, s'ils peuvent s'avancer. Oui, j'ai parlé, Madame Mamadnour, Mariam Mamadnour, présidente. Si elle peut s'avancer. Monsieur Païmi Patake Albert. Monsieur Mamat Alaou Taïr. Monsieur Samir Adam Anour. Madame Lydie Beyassimda, Monsieur Jimé Arabi, Docteur Jacques Laringamay, Monsieur Brice Mbaïmong, Monsieur Rougaïa Oumar Amati, Madame Amal Khair Djibrin Souleyman, Monsieur Ramadi Tolna Bertin, c'est le conseiller maintenant. Mamad Saleh Awati. Monsieur Abakar Outmane Djamé. Monsieur Amat Oumar Amat. Docteur Idriss Saleh Bachar. Madame Amina Emir. Maître Jean-Bernard Padaré. Monsieur Brahim Ben Seyd. Madame Clarisse Naylar. Et M. Bichara Amak Saleh. Voilà la composition du Présidium. Je vous remercie. Thank you.
Voilà, chers téléspectateurs et auditeurs, le présidium attendu vient d'être constitué. Le présidium est donc dirigé par la ministre secrétaire générale du gouvernement, Madame Mariam Mahamat Nour, et toute sa suite. C'est ce qu'on attendait. Et très rapidement, je voudrais revenir sur les propos, les points phares de la déclaration de l'allocution de la présidente du présidium, Madame Lucie Biasimda, qui disait « L'homme du 1er décembre a donné aux Tchadiens ». Je crois que nous nous retrouvons ici pour un but essentiel. Beaucoup d'entre vous, certainement, avaient assisté au premier forum. Contestation pour contestation, est-ce que c'est ça qui est l'essence même de notre rencontre? Alors, donc, trouver le juste milieu pour arrêter les ardeurs. Et ce sont vos frères et vos sœurs. Il y a des jeunes. Il y a des femmes. Il y a des représentants des partis politiques. Dans ce bureau-là. Félicitez le bureau et continuez vos travaux. Merci. 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 Voilà le chef de l'État qui vient une fois de plus jeter les dés donc des travaux de ce deuxième forum. Il se retire en prenant le bain de foule. Le chef de l'État, accompagné de la première dame, se retire pour laisser le présidium qui vient d'être constitué diriger les travaux. Eh bien, je disais que le chef de l'État, à sa prise de pouvoir le 1er décembre 1990, disait qu'il n'a apporté aux Tchadiens ni l'or, ni l'argent, mais la démocratie. Et trois ans après, le 15 janvier 1993, ici même, au palais du 15 janvier, le chef de l'État a permis l'organisation de la conférence nationale souveraine. Une fois de plus, ici, il a donné l'occasion encore aux Tchadiens du 27 au 29 mars 2018, l'occasion de débattre des problèmes du pays. Là, je fais allusion au premier forum. Et juste après la conclusion, le chef de l'État a encore permis aux Tchadiens de se réunir et il a souhaité que ça soit institutionnalisé. Et c'est ce deuxième forum qui se tient aujourd'hui et ça va durer également trois jours. La présidente du comité d'organisation, dans son allocution, a également qualifié le chef de l'État, le maréchal du Tchad, d'homme de parole et d'action, puisque c'est cet homme-là qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Le préforum qui a été organisé dans six zones a permis aux Tchadiens de 23 régions du pays de dire ce qu'ils pensent, d'évaluer à leur niveau les 74 résolutions du premier forum et également aux Tchadiens de la diaspora de donner leur avis par Internet, ces avis qui seront pris en compte justement au cours de ce deuxième forum-là. Et c'est ce forum qui permettra à la force vive de la nation d'évaluer les 74 résolutions issues du premier forum national inclusif. La présidente du comité d'organisation a également signifié qu'il s'agit là
d'un podium, d'un espace de libre expression d'idées. Et c'est ce que le chef de l'État va encore réitérer dans ses propos. Et le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a également fait signifier que chacun des Tchadiens, chaque Tchadien a saisi la portée profonde de cette rencontre qui démarre aujourd'hui. Et cette rencontre, justement, qui intervient pour permettre à tous les Tchadiens, les 600 qui sont ici réunis, de réfléchir de manière profonde sur les 74 résolutions, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut corriger. Le chef de l'État également a fait signifier qu'il faudrait bien que les Tchadiens aient cette indépendance d'idées, qu'ils disent ce qu'ils pensent, qu'il n'y a pas de sujet tabou. Il invite tous les Tchadiens à discuter franchement afin que jaillissent de ces forums-là des résolutions qui puissent aider le Tchad à aller de l'avant. Il ne suffit pas de discuter pour discuter, mais discuter pour que le Tchad puisse avancer résolument. Voilà, et donc Adam va également donner quelques substances pour permettre aux téléspectateurs et les auditeurs qui suivent ici en arabe de comprendre davantage ce qui s'est passé ici tout à l'heure. شكراً استيفان المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجدداً ها قد تابعتم كل تطورات وقائع افتتاح المؤتمر المنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي والذي شرفه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مشير تشاد وهرمه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو وبعد افتتاح كلمة رئيسة اللجنة التنظيمية لوسي بياسمدا والتي تناولت فيها أهم القضايا والمواضيع التي تم من أجلها تنظيم المنتدى الوطني الشامل وذكرت بأنه منذ 27 عاما تم انعقاد المؤتمر الوطني المستقل ثم بعد عامين جاء دور المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي الأول وها اليوم يشاهد المجتمع الشادي بأكمله تنظيم المنتدى الإصلاح الوطني الشامل الثاني والذي سيقوم بمعالجة قضايا المرأة والشباب وحيثيات شكل الدولة كل ذلك سيتم من خلال هذا المنتدى المنعقد بقصر 15 من يناير وكما شاهدتم قبل قليل فإن مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تناول خطابا ضافيا وذكر فيه كل الجوانب والحيثيات المتعلقة بترشيد أمل الحكومة وتنظيم هيكل الدولة وبناء المؤسسات العامة ثم عرج بالمنتدون قليلا إلى الحيثيات التي يتم من خلالها تنظيم دولة القانون وترشيد عمل الحكومة وكذلك طرح مقترحات جديدة وأتمنى أن لا يقصى أحد من هذا المنتدى ذلك لأن كل التشاديين وكل التشاديات سيسهمون بقدر الإمكان بآرائهم وبمقترحاتهم البناءة والتي تهدف إلى تكوين دولة قانون دولة المؤسسات دولة يحترم فيه حقوق الإنسان دولة يرأي جوانب المرأة والشباب دولة فيه العدالة يبرز جوانبه الحامة لتنظيم الحياة العامة في المؤسسات الجمهورية كل هذه المواضيع ذكرها فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في خطابه الضافي والشامل والذي تناول كل الجوانب ودعا إلى طرح كل القضايا دون تحيز أو دون إقصاء آراء الآخرين ودون المساس بمقدسات العامة وذكر أيضا بأن على المنتدون معالجة القضايا بشفافية تامة وبكل مصداقية وعليه سيخرج المنتدون بتوصيات وقرارات جد هامة التي تساعد في تكوين كيان الدولة والتي يرجو من خلالها الشعب التشادي كل طموحاتهم وتطلعاتهم التي تصبو إلى إحداث
تغيير شامل في المؤسسات الجمهورية وتغيير السلوكيات وبناء دولة قوية مستقرة يبنى عليها الجيل القادم والذي يعمل على إعداد مجتمع فاضل والذي يتطلع إلى دولة ذات سيادة ويستقر بالأمن والسلام الدائم في ربوع البلاد. وأيضا ذكر فخامة رئيس الجمهورية أن على المشاركين العمل على مراجعة القوائم وذكر أيضا بما يهم المواطنين قاطبة وليس ينحصر في طائفة دون أخرى. كل هذه الحيثيات تناوله خطاب رئيس الجمهورية الضافي والشامل لمعالجة Merci donc Adam Aboubakar, merci donc Stéphane pour tous ces éléments d'information et d'appréciation depuis le palais du 15 janvier où vient de s'ouvrir les travaux du deuxième forum national et inclusif présidé donc par le chef de l'État, le maréchal de Tchad Idrissa Déby Itno. Professeur, on vient de suivre l'intervention du chef de l'État, le maréchal de Tchad Idrissa Déby Itno, qui, selon lui, les réformes entreprises ont été presque à terme. Mais il faudrait qu'on voit également les réalités en face. Et le chef de l'État disait quelque part que le seul but de ce forum national, de ce deuxième forum national inclusif, c'est le renforcement de l'unité nationale et la consolidation de la démocratie tchadienne. Vous, en tant que constitutionnaliste, qu'est-ce que vous avez retenu ou bien quelle appréciation faites-vous de ce discours du chef de l'État? D'ailleurs, un discours hautement patriotique, puisqu'à chaque fois, le chef de l'État appelle à l'unité nationale et à la consolidation de la paix. Écoutez, moi, je suis particulièrement ému par le discours du maréchal du Tchad, son excellence Idrissa Déby Itno. C'est pratiquement la constance, la consistance et la stabilité de l'homme. L'homme n'a pas changé d'une virgule son option. Il a une forte conviction pour son pays, une forte conviction pour la paix, pour l'unité nationale et surtout faire du Tchad un pays qui va de l'avant. Il voudrait rompre avec la particularité et la réputation à laquelle nous avons habitué l'humanité tout entière, un pays de violence, un pays de destruction, de pauvreté, et malgré ses potentialités économiques nationales. Aujourd'hui, le maréchal du Tchad l'a déjà dit lors du premier forum. Il est venu une autre occasion quand, à travers la représentation nationale, le peuple tchadien l'a élevé à la dignité de maréchal, reconnaissant ses mérites en tant que citoyen tchadien ayant accompli loyalement, honorablement et historiquement et patriotiquement ses devoirs citoyens face à la nation par rapport à la lutte militaire et la lutte contre l'obscurantisme, le terrorisme et la violence aveugle. Aujourd'hui, il répète l'objectif, le cœur, le noyau, l'objectif principal, le but essentiel je ne veux pas parler de forum, de cette rencontre de dialogue national regroupant toutes les couches de la nation, parce que un mot extrêmement important qui m'a touché, moi en tant que citoyen tchadien, mais en tant que chercheur, et je dirais, quand il dit « personne n'est exclu ». Deux, il dit il n'y a aucun sujet tabou. Trois, il dit il faut qu'on parle de tout. Et en principe, c'était un forum évaluatif du premier pour voir. Nous avons fait il y a 2 ans un forum pour réorienter le destin de notre pays et notre destin par rapport à de nouvelles institutions, de refondre le contrat social qui nous permet de continuer à vivre ensemble dans la paix, la concorde nationale, et nous permettre d'avoir des institutions qui nous permettent de nous lancer vers l'émergence, de rattraper les autres nations. Mais alors,
le même homme dit, c'est une innovation dans le constitutionnalisme africain, je vous dis. Et aucun dirigeant et aucun pays l'a fait. Comment chaque deux ans donner la parole aux citoyens de discuter leur contrat social? C'est quelque chose qui grandit le Tchad à travers le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Sincèrement, je suis très touché en tant que professeur de droit constitutionnel et de sciences politiques et de droit public. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Les citoyens sont soumis, ils sont mis devant le fait accompli dans les mécanismes de procédure d'adoption des textes constitutionnels par le référendum. En seulement, ça, c'est l'affaire des élites, des intellectuels et des juristes que nous sommes avec l'orientation des politiques. Et les citoyens lambda, et on lui met un papier et on lui dit, tu as un ticket rouge et un ticket blanc. Si tu prends le blanc, c'est oui, et le rouge, c'est le non. Mais personne ne lui donne le droit de dire, il s'agit de ta vie. Et qu'est-ce que tu en penses de tes droits et obligations? Qu'est-ce que tu en penses de telle institution et autre? Son Excellence Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad, dit non, c'est l'affaire des citoyens, c'est leur vie, il s'agit de leur vie. Il faut qu'ils donnent leur avis. On passe par des préforums au niveau des provinces, où toutes les couches sociales, on leur a donné la parole pour donner leur avis. Évaluer notre rencontre de 2018, comme je l'ai promis, je tiens parole. Allez-y, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier, quelque chose à réorienter, quelque chose à renforcer? Qu'est-ce que vous en pensez? Les mêmes se retrouvent, on compile ces différents rapports provinciaux. Et alors on s'est dit, chers frères et sœurs, retrouvons-nous pour discuter. Qu'est-ce qui peut nous réorienter? Le terme, c'est touchant, cette modestie de l'homme. Personne n'est exclu. Si vous faites une auto-exclusion, ça c'est autre chose. Ça c'est aussi une liberté citoyenne. Maintenant, qu'il y ait des critiques, des critiques pour critiques. Mais qu'est-ce qu'on propose? C'est vraiment une tribune nationale qui fait l'innovation du Tchad dans le mécanisme de processus du constitutionnalisme africain. Le Tchad innove, pas seulement dans le fond, mais dans la forme également, sous le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et le mérite نعم السيد البروف أحمد محمد حسن وزير العدل الأسبق والمختص بالشؤون الدستورية وأيضا السياسية فخامة رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو في خلال خطابه لافتتاح أعمال المنتدى الوطني الشامل الثاني تطرق إلى العديد من المواضيع منها أنه لا يوجد مستقبل للبلد بدون وفاق وطني ركز على هذا الكلام ما هي قراءتكم فيما جاء في خطاب فخامة السيد رئيس الجمهورية شكرا قبل كل شيء قبل ما نلاحظ في سؤالك الأساسي أنا بعبر شعوري كمواطن تشادي شاهدت خطاب مشير تشاد لأن أنا مطابع كباحث كأستاذ في علوم السياسية والقانون العام ومخصص في علوم الدستورية نفس المواطن قبل شيء مواطن والشعب التشادي كلف بحياته كرئيس جمهورية مشير تشاد قال قبل سنتين لما اجتمع التشاديين قال يا جماعة كده خليني اجتمع كل الطبقات زياد 2000 شخص اجتمعوا وقالوا يا جماعة كده خلي ممكن نناقش الأسس والبنود الأساسية لحياتنا الاجتماعية للوحدة الوطنية اللي هي منضمة في قانون عام مسمى الدستور وهناك نحن كمخصصين نقول الميثاق الوطني نفس الرئيس قال كل سنتين واجب هنجي ممكن نعمل اجتماع ثاني ونخيم وفعلا طبق وعده وافق وعده اليوم في خطابه نفس الكلام نفس الشخص في وقعته في توجيهه يعني نفس الرئيس يعني دي فرصه فريده في افريقيا
وفي العالم لأن ال 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 هناك الطرق التي تؤدي لإنشاء جمهورية جديدة أو لإنشاء دستور جديد. هناك معروفة لدى القانونيين، كل القوانين تتفق عليه، لأن هناك الدستور بيوثقوه المخصصين القانونيين بحسب توجيهات السياسيين، وبيجوا بطرحوه للمواطن مفروضه. أنا أظن كلمة مفروضه يقول نعم أو لا، يقول نعم أو لا، ما عنده أي دخل في اختيار الله. ما في حق احترام حقه وحرياته وشرفه بعدو، لأن الميثاق الوطني بيسير حياته وأجيال المقبلة. يعني كأنك رأي شنو في أي مؤسسة أو بالحقوق الواجب المندمة في الميثاق الوطني، هل في نفسي أو في مزيد، هل نادم بيعبر شعوره؟ ما في إلا مشير تشاد في دورة تشاد قال يا جماعة ممكن خلي المواطن ده ندو كلمة، لأن الميثاق بيسير حياته، حياة أولاده وأولاد أولاده، لأن الدستور ما بيجي في كل شهر، وده القانون بأن قبل ده أدى قال كده قال لي تسجل وتنأخذ منتدات مسخرة في الأقاليم، في الأقاليم مرينا فيها وجابوا توصياتهم، وكل السوات كان مندمة للجنة التنظيمية كما أشارت عليها رئيسة اللجنة حسي كما شاهدنا. مي بروفيسور، d'abord, quelles sont les innovations de la 4e République? On sait très bien que pour aboutir à ce deuxième forum national inclusif, il y a des forums qui ont été organisés à l'intérieur du pays pour recueillir les recommandations de la population, c'est-à-dire les recommandations de la base. Alors, qu'est-ce qu'on attend exactement de ces recommandations de la base d'abord? Et la deuxième question, quelles sont les innovations de la 4e République? Écoutez, la 4e République, je commence par ça parce qu'il s'agit de partir avant de venir à l'évaluation. Oui. La 4e République du Tchad, qui est née grâce au forum de 2018, a apporté une grande innovation dans l'orientation politique administrative du Tchad. Premièrement, première chose qui est extrêmement importante, elle a stabilisé les fondamentaux de la République depuis la proclamation en 1958. Le Tchad reste une République une et indivisible, laïque, unie et souveraine, et la démocratie comme mécanisme de gestion et de dévolution de pouvoir. Les citoyens ont des droits et des obligations, sinon plus, qui a été reconfirmé par la Conférence nationale souveraine il y a 27 ans, et ces mêmes droits ont été reconfirmés par la 4e République. L'innovation de la 4e République, c'est disant, est-ce que nous ne pouvons pas, par exemple, acclimater, domestiquer l'état de type occidental que nous avons hérité de la colonisation pour le mettre en symbiose avec les réalités de notre société, notamment les chefferies traditionnelles auxquelles s'attachent nos populations à travers leur langue, leur culture, leur ethnie et leur religion, et quelle que soit la position géographique de notre pays. Il y a les chefferies traditionnelles qui ont été érigées en institutions contributrices comme institutions de la République. Le Tchad innove par cela. Aucun pays africain ne l'a fait. Ça veut dire que le Tchad reste une république. Citoyenneté exige des droits et des obligations, mais en disant nous devons acclimater l'état de type occidental en faisant une symbiose avec les tenants de nos cultures et nos traditions qui sont les autorités traditionnelles et coutumières dans le cadre du G4. Elles sont mises en point ensemble avec le mécanisme également. Le Tchad est aussi un pays où la gestion est décentralisée. Ça veut dire qu'on associe les populations à la gestion de leurs affaires locales en érigeant le Tchad en des collectivités territoriales et surtout qui permettent à toutes les provinces, aux communes, à différents niveaux de collectivités d'avoir des conseils locaux qui s'occupent des affaires locales, voter des délibérations qui se conforment à la loi nationale qui est votée par le Parlement au niveau national. Et alors, les élus et les héréditaires se retrouvent pour renforcer, donner un avis. L'organe n'est pas décisif, il a un rôle consultatif,
permettant de dire oui, la marche de la nation, il faut recueillir l'avis de ceux qui représentent la réalité de notre société. En l'indépendance, les autorités traditionnelles étaient des auxiliaires de l'administration. Elles complètent l'administration qui reste dans le monopole du contrôle de la gestion du pays et du citoyen. Mais à la conférence nationale souveraine, on les a appelées collaboratrices de l'administration. Elles contribuent avec l'administration dans l'encadrement de la population. Mais on n'a pas défini ce mécanisme de collaboration. L'encadrement des populations, c'est-à-dire le commandement et la gestion des citoyens. Aujourd'hui, elles sont au niveau institutionnel. Maintenant, c'est une expérience qu'on a instaurée en 2018. Deux ans après, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y a des critiques qui fusent, qu'il faudrait plutôt réformer, qu'il faudrait peut-être plutôt proposer d'autres formes d'institutions, comme je l'apprends à travers les différents rapports provinciaux qui ont été compilés par le dynamique comité d'organisation qui présidé par Mme Lucie Biasenda et qui le met sur la table de ses délégués aujourd'hui. Ces délégués, le président les appelle, aucun sujet tabou. Aucun sujet tabou, nul n'est exclu. Aucun sujet tabou. Un débat franc. Un débat franc et sincère. Non. Mais justement, il s'agit de la nation. Il s'agit de notre vie, de notre devenir, le devenir de nos générations futures. C'est une sorte de dialogue. بروف أحمد محمد حسن طبعا في خلال المنتدى الوطني الشامل الأول بعد نهاية المنتدى ظهرت هناك مؤسسات للدولة جديدة وفي مؤسسات آخرة اختفت والمؤسسات ظهرت جديدة بعضها أدت دورها بشكل جيد وبعضها في تقصير أنتم كدستوريون ماذا لاحظتم في المؤسسات الجديدة التي ظهرت بعد المنتدى الأول؟ هل قامت بدورها وبعض المؤسسات التي اختفت هل هناك ضرورة لإعادتها لأن الكلمة ترجع للشعب لأن التقييم بيجي من الشعب والشعب عنده فرصة الفرصة للشعب لقاها عبر المنتديات المستقرة في الأقاليم جاب لنا توصيات التوصيات تقول بعد قبل سنتين أنشئت الجمهورية الرابعة بمؤسسات جديدة مثلا كمجلس الشيوخ لأن في مجلس الشيوخ بيعدي فيه الناس المنتقبين ضد الأقاليم والسلطات التقليدية هي منذ الاستعمار بعد الاستقلال بيسموها متعاونة مع الإدارة ما عندها أي سلطة في حكم الشعب بعد ذلك جينا في المؤتمر الوطني أنينا سميناها يعني ما بس متعاونة لكن بس مشاركة مع الدولة والإدارة في تسيير أمور الشعب في الجمهورية الرابعة قالت لا ما نخلوهم متطرفين لكن نشاركهم كمؤسسة جمهورية مؤسسة للدولة بيخلي جمهورية تشاد لأن النظام الدولي نينا ورثنا من الاستعمار لأن ما منشئ من الثقافة الإفريقية أو الثقافة لهضارتنا قلنا لا ممكن نجمي بين الاثنين مثلا نجمي بين ثقافتنا هضارتنا تاريخنا والنظام الجديد القربي الورثناه من الاستعمار جمعنا الاثنين في جمهورية الرابعة بعد سنتين قلنا هل جمعنا ده انشا علينا شنو ما لان الشيء الجديد ما الشيء الجديد جاب لنا شنو يعني ده المؤتمرين والرئيس بيقول شنو في خطابه هسه للافتتاح للمنتدى الثاني قال ما في نقطة مختفية أو مهدودة نعم. بكل الهريات بكل الشفافية كل المشاركين لهم كل الهريات يقدموا آرائهم يجيبوا آرائهم وممكن كمواطنين يعني ده تثبيت حقوق المواطن ذاته لأن ده شيء فريد في إفريقيا لأن كما ذكرت المواطن بيجيبوا له بس شيء خير مكتوب وخلاص ورقه بيضاء حمراء وبيضاء هنا مشير شات بيقول لا يا جماعه خليني يترف المواطن يا جماعه لان الميثاق الوطني بيسير اموره رايه شنو مثلا
في الجمهورية العربية بالمؤسسات الانشاءاتها وبعد سنتين هل عندها إيجابيات ولا سلبياتها أكثر من إيجابياتها؟ وممكن نقول شنو، فهل ما التعديلات ممكن تكون نجيبها بعد في هذا المنتدى الثاني، ولا نجيب ممكن ننشأ مثلا هناك مساهنة على رأس الحكومة، هنا نجيب شنو؟ ممكن نقول البرلمان يقول ليش شنو؟ يقول يا في نقاط كده التوصيات جاتنا، لكن التجمع على التوصيات ده المؤتمرين لأن ممثلين كل الطبقات الشعرية من الأقاليم الشباب والمرأة والسلطات التقليدية أيضا موجودين في القاعة، والناس دي كلها تجمع وكل الإدارات الناس تقول يا جماعة يلا جيبوا لنا رأيكم شنو، لأن دي ما مشكلة بس ممكن نقول نخيط جلابية أو خميس مهدد لشخص، ما خميس مهدد لشخصي يا جماعة، تشات نقول تشات هل شنو اللي بمشي معانا بخلينا ننتلخ للتقدم للتنمية وتعميق الوحدة الوطنية والتعايش السلمي. بروفيسور merci pour tous ces éléments mais il ressort des recommandations issues des premiers forums organisés à l'intérieur du pays. Beaucoup sollicitent également la restauration de la primature, d'autres par contre pour la vice-présidence. Alors, du point de vue constitutionnel, quelle est la différence entre la primature et le poste du vice-président? Écoutez, chaque pays a ses réalités et ça dépend des mécanismes de gestion et de dévolution et de gestion de pouvoir. Nous sommes un pays de tradition administrative et politique française. Dans cette tradition administrative et politique française, à la conférence nationale souveraine, qui a été un grand rendez-vous pour les Tchadiens après tant d'années de dictature et de négation, pour mettre la constitution de 96 en disant l'exécutif serait bicéphale entre un président de la République secondé d'un premier ministre chef du gouvernement qui gère les affaires de l'État, et ce premier ministre est responsable devant la représentation nationale à travers le peuple. Donc on a géré cela depuis 1996, cette institution de la primature, et à la 4e République on s'était dit mais en 2008, mais elle ne nous a pas apporté un plus dans la gestion de ce bicéphalisme de l'exécutif. Qu'est-ce qu'on en fait? De toutes les manières, le Premier ministre et chaque membre du gouvernement est responsable devant le Parlement par rapport à son portefeuille. Et le Parlement a toute la liberté, puisque le Parlement a des prérogatives, de voter des lois légalisant la gestion politique administrative du pays par l'exécutif, de représenter la nation, mais surtout de contrôler l'action de l'exécutif à travers des mécanismes comme l'interpellation, la motion de censure ou les commissions d'enquête. Tous les ministres, vous avez suivi cet exercice. Ouais. Mais maintenant, à l'époque, il y avait cette question de primature. Mais après, aujourd'hui, deux ans après, la base pense, puisqu'on lui donne la parole, mais pourquoi pas, au lieu de certains pensent qu'il faut restaurer la primature. Mais c'est aux délégués et à nous tous, Tchadiens, de penser quel plus la primature nous apporte, avec un président de la République qui a ses prérogatives et un premier ministre qui en a également les siennes. Mais est-ce qu'il ne fallait pas plutôt expérimenter la vice-présidence comme certains de nos frères africains qui avec lesquels nous avons en partage les mêmes traditions administratives et politiques? Je cite la Côte d'Ivoire, je cite d'autres pays qui francophones sans pour autant aller dans le giron anglophone. Et alors c'est une expérimentation et on innove, et ça veut dire l'élément clé c'est que on avait critiqué ce qu'on appelle le présidentialisme le intégral qui concentre tous les pouvoirs entre les mains du président de la République seul. Cette modestie de l'homme, ça vient de lui, cette initiative de lui, vient de lui. Non. Par exemple, les gens viennent dire, même proposons une vice-présidente. Ça veut dire le souci, c'est d'éviter la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul citoyen président de la République. L'objectif, c'est le fond pour nous, dans le cadre de l'analyse politique
et constitutionnel. C'est cela, l'objectif visé principalement, c'est d'éviter que demain on se dise qu'il y a un autoritarisme au Tchad, une dictature intégrale et autres. Non, une présidence intégrale, oui, elle a c'est partout. Partout, nous, mais maintenant, cet homme accepte le dialogue en se disant proposer, nous allons en discuter. Primature ou vice-président, quel est principal objectif et le prisme central reste la non-volonté de l'homme de concentrer tous les pouvoirs qu'il s'ouvre. Il s'ouvre à ses concitoyens, à ses frères. Oui, quel est le mécanisme que nous voulons mettre en place pour gérer la destinée de notre pays et notre destinée? C'est cela qui mérite le salut et vraiment mérite qu'on s'y attarde dans cette analyse. C'est le fait qu'on accepte, personne ne peut le forcer, on pourrait garder. Mais ça dépend maintenant des participants dans ce forum de dialogue et d'évaluation et de projection, je préfère appeler comme ça, de dire oui, cette proposition nous sied pour le Tchad, parce que n'oublions pas, nos réalités peuvent différer du Sénégal, de la France, de l'Angleterre, des États-Unis. Nous avons nos réalités, nos cultures, nos traditions, nos croyances. Et qu'est-ce qui renforce notre vivre ensemble? Mais tout de suite, dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a appelé les participants à un débat franc. Il a dit, vous l'avez répété à plusieurs fois, aucun sujet n'est tabou. Vous d'abord, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous attendez de ce deuxième forum national inclusif, professeur? Écoutez, l'objectif, le rêve de tout citoyen tchadien. Parce que là, vous avez pris part également à Mongo dans les cadres de consultation de pré-forum. Alors, oui. De point de vue personnel, on peut le dire, qu'est-ce que vous attendez en tant que d'abord citoyen tchadien de ces deuxième forum? Écoutez, en tant que citoyen tchadien, j'ai été honoré d'être appelé par le comité d'organisation comme personne de ressources. J'ai été dans la délégation de l'équipe qui s'est rendue au Guéra, regroupant les trois provinces, le Bata, le Guéra et le Salamat. Ouais. Et j'ai assisté à des conclusions, des débats et surtout des recommandations. Parce que avant la rencontre de Mongo, pour le pré-forum, pour regroupant les trois provinces, chaque province a organisé un mini-forum à son niveau. Au Salamat, d'ailleurs c'est avec sous la direction du gouverneur que les délégués se sont rendus à Mongo. Au Bata, monsieur le secrétaire général de la région s'est fait l'obligation de venir avec la délégation. Et aujourd'hui, la région d'accueil, la province d'accueil, le Guéra, avec le gouverneur. Nous avons écouté, ils nous ont rendu les conclusions de leurs travaux locaux pour nous dire, voilà ce que nous pensons. C'est lu publiquement à Mongo. Nous les avons recueillis, nous avons remis notre rapport au comité d'organisation. Maintenant, en tant que citoyen, je ne parle même pas de l'esprit du juriste que je suis ou du constitutionnaliste. Au-delà de cette qualification professionnelle, je parle en tant que citoyen tchadien. Quel est le mécanisme institutionnel qui permettrait à mon pays de conserver, de préserver surtout les acquis de la paix, de la stabilité? Nous sommes, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la guerre. Quand on a vécu la guerre, les destructions massives, les massacres et la négation des droits, on ne peut pas apprécier le goût de la paix, de la stabilité et surtout le goût de la liberté et de la parole permise. C'était quelque chose que nous avons vécu. Nous, enfants, nés, grandis dans la guerre, et aujourd'hui, nous retrouvons un homme qui nous dit allez-y, redessinez votre destin dans le cadre jusque-là, le professeur n'a pas vraiment répondu à ma préoccupation. Oui, voilà, le temps nous prend à la gorge. Il est question de repartir encore vers le palais du 15 janvier pour voir l'évolution de ces travaux. Alors, vous, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous attendez de ces deuxième forums? J'attends de ces deuxième forums de tenir compte de l'avis de différentes provinces, de les analyser
en mettant au centre le Tchad. C'est d'abord le Tchad. C'est d'abord le Tchad. Et quelle est l'institution ou les institutions qu'il faut refaire pour permettre de conserver, je répète encore, les valeurs cardinales qui sont la paix, la stabilité, renforcer le vivre ensemble et l'unité. سيد البروف احمد محمد حسن طبعا زي ما كلمنا مختلف التشاديين من مختلف الولايات جو التقوا اليوم في المنتدى الوطني الشامل الثاني بعد ما كل اقتراحاتهم يناقشوا مختلف المواضيع وداخل في داخل المنتدى يعتمدوها هل في المرحله الثانيه لاعتماد الشيء اللي هم قرروا وانت امنياتك شنو في نهايه المنتدى المرحله الثانيه بان بعد انتهاء المنتدى الحالي لان انا مسمي منتدى للتحاور السلمي نسميه منتدى التقييم لان نقيم ما حصل المنتدى الاول قبل سنتين من المنتدى الاول نقيم شنو بيصير امورنا وبيصير بيصير مستقبلنا هل ننشئ مؤسسات جديده للجمهوريه هل ممكن ننسخ مؤسسات نشئت في بعد سنتين في المنتدى الاول ممكن ما جابت ايجابيات للوطن او لحياتنا للمستقبل لان مشير تشاد اشر في خطابه قال كل النقاط تناقش بكل الشفافيه وبكل الحريات ما في نقطه مختفيه او نقطه ممنوعه بكل الحريات نبه المشاركين ده شيء اساسي لان ده شيء اساسي بكل حريات بكل شفافيه وبكل حريه لان هناك انا كمواطن يعني هناك احلامي لبلدي نهتفس بالامن نهتفس بالحياه لا قبل ما تجي في احلامك بعد ما الناس يناقشوا كل المواضيع دي يعتمدوها في داخل المنتدى نعم هل في المرحله الثانيه عشان تعتمد الشيء اللي هم قرروه ولا خلاص هم من اعتمدوه خلاص لا بعد ما يكتمل المنتدى ايوه لان المنتدى يكمل بتوصيات نعم التوصيات تعدي لتغيير الدستور ايوه واسلوب تغيير الدستور بدي عبر البرلمان لان ما تنسى لان البرلمان الدستور بدي كل صلاحيات ممكن يصلي بنود معينه قلت بنود معينه ومهدده مثلا في بنود ما ممكن تتغير او تنهبش من دون الشعب من دون استفتاء مثلا من دون استفتاء ما في بنود مثلا نظام الجمهوري مثلا حرية الأديان مثلا حريات الأساسية للمواطن دي يعني دي بنود أساسية نعم. لأن الأسلوب المعروف لدى العالم الميثاق الوطني بيصدقه وبيتفق عليه الشعب عبر الاستفتاء والشعب ممثلة بالبرلمان البرلمان له صلاحية ما بس يصوت في القوانين وممكن يجيب إذا بعد ما الناس يعتمدوا المواضيع دي نرجع للبرلمان نرجع للبرلمان يصادق عليه وبعد تصويت النواب بعد ذلك ننشئ الميثاق المعدل مثلا المجمد فيه توصيات المنتدى وامنياتك فيما يتعلق بالمنتدى كمواطن انا بشعوري وهناك نعد كمواطن تشادي له احلام الاحلام في هناك الاصل التاسيس لان انا ولدت ومن الطفوليه وهناك نشأت في دولة عن عنف دولة في هروب دولة فيها سفاق الدم والهروب الأهلية وهناك ما في تثبيت وهناك نشأنا كل الدراسات أبدينا بالمشاجرات السياسية والحربية نينا اليوم في مواطن أدانا فرصة رئيس الدولة مشير تشاد قال يا جماعة ناخش لنا نهتفس بالأمن الوحدة الوطنية التعايش السلمي وكده خلينا ننشئ مؤسسات وهيكل إداري يخلينا ننطلق ونخير الوجه وأدينا للعالم وجه عن الدولة عن أنف دولة إلا للأنف والفخر والتطرف لا
نينا ما بس نهارب التطرف لكن كده خلي نبني تشاد جديد هاد تشاد جديد منطلق للهرب الأساسي هو الهرب ضد الفقر لأن الفقر بعد الناس للأنف بخلي الشباب يكون ما عنده أي قيمة هنا ندو كلمة للشباب والمرأة لأن ما في مجمعنا وفي ثقافتنا المرأة ما مخدرة إلا أول مرة يدوها كلمة وتجرايا وحصه هي رئيسة جلسة إدارة المنتخب رئيسة الجلسة il faut dire que la femme aussi a aussi beaucoup gagné depuis la mise en place de la nouvelle république tout à fait. Mais là je reviens sur une question qui me paraît vraiment très très importante et même pour nos téléspectateurs professeur oui. Quel a été le processus constitutionnel que le Tchad a connu depuis son indépendance? Écoutez, le Tchad a connu une constitution des indépendances. Mais le Tchad est devenu une république en 58, avant son indépendance. Mais c'était la proclamation du territoire colonial des pays et protectorats du Tchad venant de la France qu'il a conquis. Protectorat, pourquoi? Parce que le chefferie qui avait signé des accords avec la pénétration du colonisateur est pays par rapport à nos diversités ethniques, tribales, confessionnelles. Et c'est devenu une colonie en 1939 parce qu'on était un territoire militaire des pays protectorats bien rattaché à la colonie de Lubangui, Sharik, capitale Bangui. On a été détaché après la conquête du territoire du BET, on appelait la terre, le colonisateur appelait les terres du Tibesti. Et on a intégré, on est devenu une colonie en 1939, à part entière avec un gouverneur résident, coupé de Lubangui Chari. Et après, en 1958, à De Gaulle, on était une colonie, mais une colonie n'est pas encore un pays indépendant. Yes. C'est rattaché à la métropole, donc à la France. De Gaulle a initié la Constitution française de 1958 qui instaure pour les pays africains la France et ses anciennes colonies qu'on appelle la communauté. Et certains pays avaient refusé, comme la Guinée équatoriale de la Guinée Conakry de Sékou-Touré, mais le Tchad est resté en 1958. Il a eu sa première constitution post-indépendance, pré-indépendance en 59, et après, c'est toujours des constitutions taillées, écrites et proposées pour le pays qui va être indépendant en 1960. Et depuis lors, il y a eu une modification en 62. Mais plus tard, il y a eu la guerre en 1900. La création de la répression en 63, où on appelait la répression de Fort Lamy au canal Saint-Martin, parce que une partie des Tchadiens se sentait exclus de la gestion de la chose publique, s'était révolté contre la suppression du multipartisme hérité de la colonisation et de la métropole par la révision constitutionnelle de 1962 par le premier président Tombolowaï François. Mais après, il y a eu la création du Frelimo en 66 à El Fasher, et après on a continué et on est entré dans le cycle de la violence. En 1975, les militaires avaient renversé le premier président tchadien, Ngarta Tombolbaï, et il avait en 1977 organisé une conférence en Djamena, devenue conférence pour réfléchir sur la situation intérieure et extérieure du Tchad de 1977. Après cela, mais avant cela, il y a eu Tombolbaï qui a organisé une conférence à Doéba en 1972. Qui avait rédigé la constitution, lui-même il est devenu Ngarta Tombolbaï, c'était ce qu'on appelle à l'époque la question de retour à nos sources et à notre culture. Il a effacé son parti, le PPD-RDA, pour créer le MNR-16, et etc. L'évolution a amené au coup d'État. Les militaires avaient organisé une conférence à Fort Lamy, en Djamena, disons, en 1977, mais après la guerre de 1979, le GUNT, le gouvernement d'Union nationale de transition, sous la présence du président Goukouni, présent dans la salle tout à l'heure, à Doumbouya, une autre conférence des cadres, on a appelé séminaire des cadres pour réfléchir sur la politique intérieure du Tchad. On a parlé de la décentralisation et des institutions. Mais quelques mois seulement après la fin du séminaire de Doumbouya, le séminaire des cadres de Doumbouya, il y a eu la guerre entre le GUNT et la tendance de M. Hissène Habré, ce qu'on appelait à l'époque le CCFAN, Conseil de commandement des forces armées du Nord, l'organe politique, et les FAN, c'est la branche armée. Et en 82, Hissène Habré est revenu au pouvoir. Il n'y a jamais eu d'ouverture du dialogue. C'était la dictature, la répression, l'autoritarisme. Et après, c'est l'UNIR
après le CCFA, s'est lui mis en 84 et il n'y a jamais eu d'occasion pour revoir le contrat social donnant la parole aux Tchadiens jusqu'à l'arrivée du MPS en 1990 et juste après, à l'époque, le président tchadien Idriss Déby prononçant un discours historique sur la démocratie et la liberté avec les nouveaux acteurs du Tchad qu'on a montré, les partis politiques, la société civile dans sa naissance assez dynamique, la liberté de presse et la liberté de parole, comme si c'est un bouchon qui a sauté et on s'est retrouvé à la conférence nationale souveraine. Et le jour de l'ouverture, j'étais un jeune syndicaliste chargé de revendications affaires juridiques, président du syndicat des greffiers et membre du syndicat UST. On avait participé, on avait suivi le discours historique du président Idriss Déby à l'époque, disant... Je vous propose la dénomination de ce palais qui était initialement appelé palais du peuple. C'était le produit de la coopération entre la Chine et le Tchad. On l'a appelé palais du 15 janvier pour immortaliser la journée du 15 janvier. Et au cours de ce forum qui a duré 4 mois, on a eu une nouvelle constitution. Pourquoi? Après ça, parce qu'il y a eu des recommandations pertinentes réorientant la vie des Tchadiens. C'est dans cette constitution qui a été adoptée le 31 mars 1996, le premier texte issu de la démocratie et du référendum. On a eu de nouvelles institutions. Les droits et obligations des citoyens clarifiés, consacrer la liberté, reconfirmer la libre opinion, la laïcité du Tchad, la forme républicaine et les mécanismes de dévolution du pouvoir par les élections, la démocratie. Non. Après cela, il n'y a jamais eu d'autre occasion. Oh. C'est vrai, on a appliqué, on a eu les premières élections pluralistes en 1996, qui ont vu pour la première fois au Tchad où on compétit pour la magistrature suprême, la présidence, par le vote. Les Tchadiens ne connaissaient pas, n'avaient rêvé d'avoir cet exercice-là. Ouais. Et il y a eu des partis, il y a eu des candidats, et après, on est arrivé. Et après la guerre, les tendances politico-militaires ont ressurgi. La violence a ressurgi. Brof Ahmed Mohamed Hassan, تقريبا وصلنا لنهاية حوارنا, لكن قبل ما نختم الحوار حاليا قاعدين نتكلم نحن فيما يتعلق بالمنتدى الوطني الشامل الثاني, وده بخص الدستور. الناس يناقشوا مواضيع وبعد ده هذه المواضيع تدرج في الدستور. ممكن تدينا نبذة تاريخية في مشروع الدستور, نبذة تاريخية عن دساتير تشاد منذ الاستقلال إلى الآن باختصار شديد؟ ما شاء الله. في الاستقلال ككل الدول اللي عندنا مستعمرات قديمة لدى فرنسا لها دساتير, لقى الدستور. نحن ورثنا الدستور هنا فرنسا من سنة 1958, بعد ذلك وصلنا في دستور 1959 أول دستور كدولة سنة قبل الاستقلال, ولقينا الدستور عن 60. ولكن سنة 1962 الرئيس الأول التشادي فرانسوا تومبلباي جاب تغييرات في الدستور لأن مسح التعددات الحزبية. نعم. قل الناس فمن بعد التشاديين يعتبروا نفسهم لأن متطرفين لأن ما عندهم الحريات, ممكن يدون فرصة يدوا آراءهم ويشاركوا في إدارة الشعب في تسيير الدولة. نعم. جاب لنا مشاكل ناس ظهرت في انجمينا وسنة 1963 وفي انجمينا هنا في قناة سان مارتين الناس كان قتلت 87 شخص كان قتلوا, وبعد ذاك هناك في جماعة فروا من انجمينا ولجوا للسودان لشرق تشاد في السودان, وانشأت ثورة فرولينا سنة 1966 في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور, وبعد ذاك الهروب تجمعت لحد سنة 1981 لأن هناك وصلت الحكومة الواحدة الوطنية بيسموه جونت غوفرمنت ديونيون ناسيونال دو ترانزيسيون, كان أنشأت بيسموه ممكن نقدر نسميه كمنتدى الأول في دوبيا لما القادر أن يفكروا. لكن قبل ده كان سنة الجيش الوطني كان عمل الانقلاب سنة 1975 وأن أجد, وقبل ده تومبلباي أجد في مدينة دويبا في محافظة موين شاري, وهناك مؤتمر بيسموه مؤتمر دويبا في دويبا
إنشاء اللا مركزية وبعد ذلك بقيادة الوزير الدولة في الرئاسة أنطوان بنغي، وبعد وصلنا للحرب للانقلاب العسكري 1975، جينا المجلس الأعلى العسكري كان عقد مؤتمر في أنجمينة سنة 1977 ونوخشت بنود تسير تشاد، وبعد بعد شهرين حصلت الهروب سنة 1979، وبعد الحكومة الواحدة الوطنية برئاسة الرئيس بوكوني ودي كان سجلوا مؤتمر دوغيا، مؤتمر دوغيا سنة 1981، وبعد شهرين بعد ما تم شهرين بقت الحرب 1979، ومشينا في اللجوء تشاد، بقت الدوله ممسوحه من خرطه الافريقيه. نعم. وبقت ذاك الا بعد انشاء الديمقراطية بقياده المشير تشاد اليوم ادريس ديبي اتنو واصحابه الرهال، وصلوا لين سنه 1990 أنشأوا الديمقراطية والحريات والتعددات الحزبية والمؤسسات الغير حكومية الاجتماعية وحرية الألفاظ، حرية الألفاظ وكل الحريات. بعد ذلك انعقد المؤتمر الوطني سنة 1993، شاركت فيه كأنا شاب رئيس النقابة القانونية، أمال القضاء وحصلنا للتوصيات مهمة عدد للدستور 1996، وفي بعد ذلك ما حصل لنا اي، حصلت تغييرات خفيفه، الانتخابات التعدديه لان فيها شاركت احزاب ورؤساء احزاب وبكل وري، اول مره التشادي يدو فرصه يقول ينتخب رئيسه فلان الف ولا باء، اول مره ادو فرصه من تاريخه من وجود تشاد التشادي لقى حريته لان يختار بين فلان ولا لا، والبرلمان ايضا بقي متعدد، ومن ذاك ماشيين منطلقين في تاريخنا الديمقراطية وتحفظ بالحريات والتعددات البيئية لحدي مشير تشاد قال لا توا بعد تقريبا 20 وكم سنة خلينا ننتمي يا جماعة كده، خلينا نقيم من 93 من 96 لحدي على اليوم، هل الميثاق الوطني ده ما ممكن يا جماعة نجيب رأينا فيه؟ ولكن الراي ما قال جيبوا قانونيين كبروفيسور احمد اكتبوا لنا بس واطرحوا للوضع المواطنين، لا يا جماعه المواطنين خلي المواطنين ايضا يجوا راهم يا جماعه، هل الناس تقيم التقدير ده؟ الناس تقيم التقدير ده؟ ممكن تكون خلافات، الخلافات ذات تعدي الديمقراطيه للديمقراطيه، ويا جماعه مش ان اخذت مؤتمرات مسخره، منتديات مسخره في الاقاليم، جابت توصياتها امسوا المؤسسة دي ولا انشئوا مؤسسة جديدة، وده بخلينا ننطلق ده شيء عجيب، شيء غريب، أول مرة فريد في إفريقيا. ميرسي بروفيسور أحمد محمد حسن pour tous ces éléments d'information. Il est important de rappeler à nos téléspectateurs que voilà les thèmes qui seront débattus tout autour de ces forums aujourd'hui au programme. Et il y aura la réforme de l'État et le régime politique et les réaménagements des grandes institutions de la République. Ces deux thèmes-là qui seront débattus tout au long de la journée par les participants. Professeur Ahmad Mamad Hassan, une fois de plus, nous vous remercions beaucoup, infiniment, de votre disponibilité et de l'honneur que vous accordez à chaque fois pour la télévision nationale pendant des moments exceptionnels qui touchent vraiment notre pays. Au nom de toute l'équipe de l'ONAMA, la direction générale, nous vous remercions une fois de plus. Et une fois de plus, merci beaucoup à nos chers téléspectateurs qui étaient avec nous depuis ce matin, et ils le seront jusqu'à la fin de ces forums pendant 3 jours où des débats francs et contradictoires seront au programme, et espérons que toutes ces résolutions qui seront révisitées une fois de plus vont être adoptées pour le renforcement de la démocratie, la consolidation de la paix
pour notre pays de Tchad. نعم شكرا احمد يحيى عباس الزميل احمد يحيى عباس وايضا نشكر ضيفنا البروفيسور احمد محمد حسن اخصائي العلوم السياسيه وايضا اخصائي العلوم الدستوريه ايضا وايضا الوزير الاسبق لوزاره العدل على كل المعلومات التي قدمها في خلال هذه الحلقه منذ صباح اليوم. حقيقه افدت المستمعين والمشاهدين بمختلف المعلومات القانونية والتاريخية وغيرها من المعلومات. وأيضا نشكر المشاهدين الأعزاء والمستمعين الأعزاء الذين تابعونا في طوال هذه الحلقة الخاصة المباشرة من داخل تلفزيون تشاد. ونذكر المشاهدين والمستمعين أن هناك في هذا المنتدى الوطني الشامل الثاني تطرح العديد من المواضيع، منها إصلاح الدولة وإصلاح النظام السياسي وأيضا إصلاح المؤسسات الكبرى للجمهورية في خلال جلسات هذا اليوم. نشكركم مرة أخرى ونلتقي معكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.